Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Méthylène, épisode numéro 2. Je m'appelle Imelda et avant toute chose, je voulais vous remercier pour le retour que j'ai eu de l'épisode numéro 1. Ça a été assez incroyable, je m'attendais à rien finalement et vous avez été nombreux à commenter, à m'envoyer des messages, à liker et tout. Donc je suis très très contente et ça me pousse à forcément à revenir sur YouTube. Donc là, je profite qu'il fasse encore jour. Je viens de rentrer du travail, donc voilà, j'ai pu rentrer sans encombre. Enfin, c'est un peu compliqué comme je travaille sur l'île centre. J'ai toujours des bouchons pour revenir chez moi. Et donc là, il y a eu zéro bouchon, donc je suis contente. Et il fait encore jour, donc je me suis dit que c'était vraiment le moment de vous montrer mes projets terminés, comme ça vous allez bien voir les couleurs. Donc le premier projet terminé que je voulais vous montrer, c'est le pull que je vous avais présenté en cours la dernière fois, le pull pour mon ami. Donc le Evermore Sweater, je crois, tricoté dans les laines de chez Vilaine en tordu fingering, couleur les verres de Catherine. Et donc j'ai fait la taille, je crois, 136 ou 146, je sais plus, de tour de taille. J'ai utilisé 4 échevaux et c'est 4 échevaux en 365 mètres. Donc franchement, ça va loin, je trouve. Non, je vous ai dit 3. Non, c'est 4 échevaux. 4 échevaux en entier et j'ai dû faire du coup les manches 3 quarts. Donc là, ma copine n'a pas encore essayé, donc j'espère que ça lui ira. Si c'est un peu trop long, bah, j'ai pas encore rentré les fils, donc je détricoterai et je ferai plus court. Mais par contre, si c'est trop court, ben, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pensais enlever un petit peu du bas parce qu'en bas, il y a un petit peu de jersey. Et donc, si je grignote sur un ou deux rangs, comme vous le voyez là, il y a genre, je sais plus, une dizaine de rangs avant de faire la corne. Donc, déjà, si je détricote un ou deux rangs, j'ai de quoi rallonger au moins une manche, c'est sûr. Donc, et puis je pense que si j'enlève quelques rangs en bas, on le verra pas trop. Alors, au niveau de la construction, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en raglan. Et les raglans sont super beaux. Franchement, j'adore la méthode expliquée dans ce patron-là. Je trouve que ça fait vraiment très 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 joli par rapport en comparaison avec les raglans de la Cumulus Blues de Petite Knit. Ceux-là sont vraiment plus jolis. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ça fait vraiment une finition très fine. Donc j'adore. Raglan. Ensuite, bah, on tricote en rond jusqu'en bas. Et en bas, on a une jolie dentelle. Donc là, il est bloqué, donc on voit super bien la dentelle. Elle est super facile à faire. Et pour autant, elle fait un effet de dingue, je trouve. Donc elle fait tout le bas du pull. Et ensuite, tout le long de la manche, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer, vous voyez, ça part de l'épaule en fait et ça fait tout le long du bras ici. C'est vraiment super joli. Voilà, tout le long comme ça. Voilà. Et puis après, les finitions en colure, bas des manches et bas du pull, c'est de la corde. Donc pareil, ça moi j'adore faire la corde, j'adore la finition. Donc voilà, je pense que je vais lui mettre une petite étiquette. C'est vrai que là j'ai pas encore pensé à les mettre, mais j'aime bien moi mettre des étiquettes à chaque fois. Et d'ailleurs, ah, je suis une mauvaise podcasteuse, je vous ai pas dit ce que je porte, mais je porte le comment il s'appelle celui-là, le Cardinia Wrap. Alors je l'ai tricoté justement quand j'avais mon podcast il y a 6 ans en fait. J'ai regardé ça il y a 6 ans. Donc le Cardinia Wrap que j'avais tricoté, ça c'est caramel au beurre salé de Laine Amourée. Et ça c'est deux coloris de mon Chip Shop, donc qui est maintenant ma petite laine. Ça doit être le Irish Toffee et ça c'est le Champagne. Et il y a des Stellina, je sais pas si vous voyez, mais il y a des Stellina dans la Champagne de chez Cindy, là, de mon Chip Shop. Donc j'adore, elle est immense. Vous voyez, elle est immense, immense, immense. Et je l'adore, je la mets tout le temps. En pull, je porte le Irati de Atelier Emily. Moi, j'ai mis des petits élastiques pour que ça resserre bien. Et donc, ça fait des manches bouffantes.
Donc c'est le Irati d'Atelier Émilie que j'ai tricoté dans les laines Knitting for Olive. J'ai fait un brin de mérino et un brin de mohair. Et ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et la couleur, c'est petit. Ouais. Et en bas, je porte la Rosary Skirt de Pauline Alice que j'ai faite en courte. Alors, vous la verrez pas en entier, mais j'adore ce patron. C'est le premier patron de vêtements que j'ai fait. Oups, j'ai fait tomber mon écharpe. Ouais, c'est le premier patron de vêtements que j'ai fait en couture et Pauline et Alice sont super bien expliquées. Donc, à l'occasion, peut-être que vous en reverrez dans des parties couture. Là, c'est vrai que j'ai pas de partie couture encore à vous montrer. J'étais tellement à fond dans le tricot que voilà, j'ai pas cousu. Mais voilà pour ce que je porte. Et donc, revenons à nos moutons. Je ne sais plus ce que je disais, que c'était de l'icord sûrement. Mais bon, voilà, j'ai dû avoir terminé sur ce pull. Je l'ai adoré le tricoter. La laine de chez Vilaine, elle est incroyable. Déjà à l'époque, quand j'avais tricoté pour moi le V-neck boxy, je trouvais qu'elle était bien ronde. Vraiment, c'est un bonheur à tricoter si vous aimez bien le mérino un peu sec. Mais pas trop. Enfin, c'est pas un mérino très sec, hein, vraiment. C'est pile poil comme il faut, quoi. Et ben, franchement, foncez sur les laines de chez Vilaine, elles sont top. Et pareil, si vous aimez bien des pulls assez faciles mais avec un petit twist, je vous conseille vivement ce patron qui est d'ailleurs, je pense, accessible pour des débutants, sincèrement. Peut-être pas en premier pull, à moins que vous soyez hyper motivé, là je pense que ça peut le faire. Mais disons que vous avez envie de faire un pull, vous avez déjà fait un pull, mais vous avez envie un peu d'un petit twist, un petit. Quelque chose qui sorte un petit peu du jersey, ben là il y a même une petite dentelle qui vient un peu rythmer le tricot, mais sans pour autant être difficile. Donc non, top. Moi je pense que je vais me le faire pour moi, sincèrement, ce patron-là. Donc voilà, j'ai trop hâte de lui offrir. J'espère qu'il va lui plaire. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Voilà, pour le premier projet terminé. Hop. Et pour le deuxième projet terminé. Donc, la dernière fois, en cours, je vous avais montré le Whitmore Sweater. Alors, je ne sais plus si je vous avais dit cardigan sweater, mais c'est la version pull que je fais. Parce que, il y a deux versions pour ce patron-là. Et je l'ai terminé. Oups. Bon, bien sûr, les fils ne sont pas rentrés. Là, il n'est même pas bloqué, rien. Mais je l'ai fini, je crois, hier ou avant-hier. Et puis, j'avais envie de vous le montrer maintenant. En fait, il fallait que je tourne aujourd'hui parce que demain, on se rend chez ma copine, justement, chez qui, enfin, pour lequel, enfin, pour qui j'ai tricoté le pull que je viens de vous montrer. Donc, c'est pour ça que je voulais vous filmer cette partie-là. Aujourd'hui, parce que demain ou peut-être après-demain, il n'y aura plus de pull vert à vous montrer, donc ça aurait été frustrant, je pense. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas bloqué, mais voilà mon Whitmore sweater qui est trop beau. Je l'adore et j'adore les laines. J'adore les laines, j'adore le patron, j'adore tout. Mais les laines de Nathalie sont juste incroyables. Je l'ai tricotée dans. Sa gamme naturelle, donc c'est les laines qu'elle a non teintes, et j'ai pris un brin de mohair. Hop. Voilà, donc son mohair est assez velu, assez duveteux. Donc si vous aimez pas les mohairs ouais, velus, je vous le conseille pas. Là, vous voyez bien, ça fait un halo de poils. Mais moi j'adore, je trouve que ça fait. On est comme dans un nuage dans ce pull. J'adore, j'adore. Mais je comprends les gens qui n'aiment pas tous ces poils. Mais ceux qui adorent, foncez. Et le deuxième brin de fil que j'ai pris, c'est. Comment il s'appelle ce fil? C'est la Milky Way. Ouais, c'est ça, c'est la Milky Way parce qu'elle a des petits morceaux de viscose là, intégrés dans la laine. Donc du coup j'ai utilisé deux écheveaux pleins de mohair. Oui c'est ça, de mohair. Il y a un troisième écheveau que j'avais bobiné mais que j'ai pas du tout utilisé. Et j'ai utilisé deux écheveaux pleins plus 20 grammes de ma Milky Way. Et j'ai fait la taille 3, donc ça doit être la XS.
Donc franchement, je trouve que bah, c'est un pull qui consomme pas trop trop de laine que ça. Enfin, j'étais assez surprise, je pensais que ça allait consommer davantage parce que ça a des manches bouffantes. Ouais, c'est surtout par rapport aux manches que je pensais que ça allait consommer à fond. Mais je les ai un peu raccourcis parce que quand on regarde sur le patron, en fait les manches sont vachement ouais, trop bouffantes pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté jusqu'à la longueur dont j'ai l'habitude. Après, je l'ai essayé et je me suis dit que là c'était ok, qu'il fallait pas plus. Donc j'ai dû faire. Je ne sais plus, j'ai fait 110 rangs, mais je sais plus en centimètres ce que ça fait. Je ne sais plus. Dans le patron, c'est 44. J'ai dû enlever au moins 6 cm. Au moins. Bon, en tout cas, ça va pas trop vous aider parce que vous allez. Enfin, c'est vraiment personne dépendante, ça dépend de la longueur des bras et tout. Mais bon, si jamais ça, vous voudriez savoir, je le mesurerai pour la prochaine fois et j'essaierai de le porter, comme ça vous le verrez. Parce que là, j'ai la flemme encore une fois, de me changer. Mais sinon, pour le patron, donc c'est un pull qui se tricote en top-down, donc du haut vers le bas. Donc on commence par les côtes. Alors d'habitude, ce que je fais, c'est que je tricote mes côtes. Je prends l'extérieur de mon tricot pour l'intérieur. Parce qu'en fait, à l'intérieur, les côtes sont un peu plus jolies. Mais là, j'avoue, j'avais la flemme. Je trouvais qu'à l'extérieur, elles étaient pas trop laides. Parce qu'en fait, donc là, c'est l'endroit du vêtement, vraiment l'endroit que j'ai tricoté. Les côtes sont un peu éclatées généralement quand on fait des côtes 1-1. Et à l'intérieur, elles sont un peu plus resserrées. Mais là, franchement, ça me dérangeait pas trop. Donc j'avais un peu la flemme. Parce que souvent, quand on veut éviter ça, on fait un demi-tour. Et quand moi, je fais mon demi-tour, alors je le fais peut-être pas bien, mais j'ai un petit trou qui se crée. Notamment au niveau des manches, ça me le fait régulièrement. Et donc là, j'avais envie de laisser comme ça. Parce que là, oui, par exemple, sur les Hirati, je regarde. Est-ce que je l'ai fait? Ah bah non, sur les Hirati, j'ai dû faire. Je n'ai pas dû le faire non plus. Bon, voilà. Il y a des fois, je le fais, il y a des fois, je le fais pas. Là, j'avais la flemme. Donc, j'ai laissé tel quel. Ensuite, on a un magnifique panneau de dentelle qui est incroyable. Mais qui n'est pas zéro cerveau. Il faut vraiment. Être un minimum concentré parce que moi j'ai fait des boulettes. Là il y en a une par exemple. Voilà, où il manque des jetés. J'ai fait du jersey. En fait, je sais pas si vous voyez, mais normalement là il y a un trou. Là il devrait y avoir un trou et là après il y a un trou. Et bon, on le voit pas, hein. Sincèrement. Je m'en suis rendu compte, j'étais au milieu du corps, je me suis la flemme. Franchement, on le voit pas. Mais voilà, c'est juste pour dire que ce truc-là, le yoke, je l'ai tricoté 4 fois. Parce que si vous avez regardé mon épisode précédent, il y a 3 versions que j'ai tricotées que je n'ai jamais finies. Et donc ça, c'est ma 4e version que j'ai enfin terminée, donc je suis contente. Et tout ça pour vous dire que je connaissais déjà le panneau enfin le diagramme et tout. Et pour autant, je me suis plantée. Donc je pense que, enfin, moi, c'est un patron avec lequel j'ai un peu de mal. C'est pas qu'il est mal expliqué, c'est que c'est pas ma manière à moi de réfléchir. Enfin, on a tous des manières enfin, la logique est différente d'une personne à une autre, et moi, ma logique, elle est pas comme ça. Et donc, j'avais des fois du mal à me retrouver dans le patron. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça, où j'étais un peu paumée. Il fallait vraiment que je lise bien, que je coche, que je barre tous les trucs qui me concernaient pas, parce que sinon, j'allais voir des tailles. Qui n'avait rien à faire avec la mienne. Et je crois qu'il y avait une coquille à un moment donné. Je pense que c'est au niveau des manches où il y avait une coquille. C'était bizarre. Oui, c'était à la toute fin. En fait, c'est super joli à la toute fin. On a des diminutions à répartir, mais c'est pas des diminutions à répartir équitablement autour du rang. C'est vraiment des diminutions posées de manière stratégique pour que ça retombe hyper hyper bien sur le poignet. Et en fait, le nombre de mailles ne correspondait pas. En fait, c'était noté qu'il fallait faire ça pour la taille XS, XS et S, je crois. Et en fait, c'était juste pour la taille XS. Donc moi, pour ma taille, il fallait que j'aille plus loin. Mais voilà, bon, bref. Bon, après, je pense qu'on s'y retrouve quand même. Mais voilà, il y avait des petits trucs qui étaient un peu bizarres dans ce patron.
Mais on s'en sort quand même. Voilà. Et bref, tout ça pour dire que le panneau de dentelle, il faut vraiment être bien concentré. Et moi, j'ai dû le faire en 2 soirées. C'est hyper addictif, ce panneau de dentelle. Il est, enfin, moi, ce que je préfère dans le tricot, c'est la dentelle pour l'instant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été très très vite à le tricoter. C'est que j'ai adoré le panneau de dentelle, j'ai adoré la laine. Voilà, c'était le combo parfait. Et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pense que la seule fois d'ailleurs où ça m'est réellement arrivé un coup de cœur comme ça, c'est quand j'ai tricoté mon Zweig en Madeleine Tosh. Là pareil, je l'ai tricoté en moins de 2 semaines ce pull-là parce que. J'ai tout adoré, le modèle, les laines, tout ça. Et du coup, ça avait coulé de source. Ben là, c'est pareil, ça coulait de source. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait le panneau de dentelle, non, on n'a pas tout à fait terminé le panneau de dentelle qu'on sépare le corps des manches. Ensuite, on finit, on a genre juste la pointe, la toute petite pointe là à finir une fois qu'on est sur le corps. Donc ça va très vite. Et après, le corps, est-ce que j'ai respecté? Je pense pas. J'ai pas dû respecter exactement. Non, j'ai pas respecté ce qu'elle demande parce qu'en gros, à la fin, donc le corps est plus court. Voilà, la partie en jersey est plus courte. Et moi, ça me paraissait trop court. Pourtant, je suis petite, hein, je fais 1m56. Ça me paraissait court. J'ai regardé mes autres pulls. Je me suis dit non, je rallonge. Donc, j'ai rallongé de 3 cm. Et après, elle demande à faire un rang de diminution. Et je vous l'ai dit, j'avais fait 3 autres versions. Il y en a 2 que j'ai où j'ai fini le corps, donc j'ai vu ce que ça rendait avec les diminutions et j'aime pas. Ça fait vraiment oups, tout resserré. Moi j'aime pas, j'aime bien les pulls quand même droits. Donc du coup j'ai pas fait le rang de diminution, je suis passée directement en côte 1-1. Voilà, en côte ouais, 1-1. Et après j'ai fait une finition rabat à l'italienne comme d'hab, donc à l'aiguille. J'ai pas fait les rangs de préparation, donc c'est pas un rabat tubulaire, c'est juste un rabat à l'italienne. Moi, c'est vraiment le rabat que je fais tout le temps parce que je l'adore. Il est bien élastique et la finition est très jolie. Donc voilà. Et après, pour les manches, bah, je vous ai dit, j'ai pas fait encore une fois la longueur préconisée. En fait, maintenant que j'ai des pulls que j'ai tricotés, je superpose en fait mon ouvrage en cours avec des pulls que j'aime bien. Comme ça, je vois à peu près la longueur si ça me paraît totalement aberrant. Voilà, et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le Whitmore sweater. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Mais ouais, un gros, 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 gros coup de cœur. Et je suis contente de l'avoir terminé maintenant parce qu'on est début février. Et donc, je pourrais encore le mettre. On a encore un petit peu de mois où il va faire encore un peu froid. Donc c'est tout pile la saison. Je voulais vraiment faire celui-là en premier avant tous les autres projets parce que comme il est en mérino et mohair, je me suis dit que ça allait être chaud. Et autant les autres projets que j'ai avec du mohair, c'est un gilet qui est doublé, qui a un double fil de mohair. Donc ça, c'est un peu plus léger. Je pense que je pourrais le porter un peu plus tardivement. Et après j'ai un gilet, donc ça le gilet je peux le mettre tout le temps, qu'un pull en double, enfin en mérino mohair, je pense que c'est le moment. Donc voilà, donc je suis trop contente, trop 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 contente. Et voilà pour les projets terminés pour ce podcast. Donc je vous retrouverai dans une autre séquence avec mon projet en cours, mes projets en cours, j'ai une paire de chaussettes. Bah d'ailleurs, je crois que c'est la même que celle que je vous ai présentée. Ouais, je ne l'ai pas finie. C'est la paire de chaussettes du mois de janvier du bruit des aiguilles. Mais peut-être que je vais la finir ce week-end parce qu'on est chez des amis et qu'on a de la voiture à faire. Enfin voilà. Donc peut-être que je vous reviendrai quand même avec ma paire de chaussettes terminée. On verra. Et mon ouvrage en cours. Donc j'ai commencé un gilet et je vous en parlerai. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt.
Alors, on se retrouve pour parler des encours, mais juste avant ce que je porte. Donc, je porte le brioche à l'issus que j'ai tricoté dans les laines de chez Laine Amourée, oui. C'est un kit qu'elle avait fait il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi. Donc, je ne sais plus exactement les coloris. Le blanc, ça doit être le naturel. C'est tout en Athéna, je crois. 100% mérino. Ça doit être ramasser des pommes de pin. Ça, franchement, je ne sais plus du tout. Pas baiser de groseille. Franchement, je sais plus. Et ça doit être un dimanche chez grand-mère. Voilà. Franchement, je suis plus certaine des coloris. C'est vraiment un kit qu'elle avait sorti déjà tout préparé. Et moi, je trouvais que c'était génial parce qu'au moins, on n'avait pas se casser la tête avec les coloris. Et je trouve que tout se marie hyper bien. Je suis super contente. C'est un châle que je mets énormément dans la vie de tous les jours. Donc. Voilà. Et après, je porte le pull Elton de Rory Locatelli. Donc, comme je vous disais, les emmanchures sont assez fitées. Et pourtant, j'ai rajouté 2 cm par rapport à ce qu'elle disait au niveau de la longueur. Et je trouve que, franchement, moi, c'était un peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Alors, au niveau des encours, moi, je suis plutôt mono-encours parce que j'aime pas trop. Avoir plein de projets en même temps, j'ai du mal en fait à switcher de l'un à l'autre. En fait, il me faut un temps d'adaptation à chaque fois que je prends mon tricot. Et du coup, je préfère en avoir qu'un seul comme ça me permet d'être focus et au moins je sais à peu près où j'en suis. J'ai pas besoin de trop réfléchir pour me remettre dedans. Ça, voilà, ça permet de que ce soit plus fluide. Enfin, moi j'aime bien. Alors ça se peut que j'ai plein de projets qui soient pas terminés, mais en fait c'est plus des projets que j'abandonne en fait si je le finis pas rapidement ou ouais si je le finis pas rapidement généralement c'est que je l'abandonne parce que soit la taille va pas, soit je suis pas convaincue du combo patron laine ou soit j'aime plus quoi. Donc ça m'est arrivé pas mal de fois malheureusement, mais là de moins en moins quand même. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai un encours principal qui est un gilet, je vais vous montrer juste après, et j'ai toujours une paire de chaussettes qui est en cours, qui traîne. Donc j'ai pas terminé celle du mois précédent qui est le club de janvier de cette année de chez Le Bruit des Aiguilles, donc le coloris Barbie. Je l'ai pas terminé. Donc, parce que en fait, j'ai eu pas mal de temps de tricot chez moi posé, donc je préférais avancer des gros projets plutôt que de prendre ma paire de chaussettes que je garde plutôt quand, par exemple, je suis chez ma belle-famille ou qu'on a des temps de trajet. Ouais, qu'on a des temps de trajet. Quoique, on avait un temps de trajet, mais j'ai pas tricoté. J'étais tellement fatiguée que j'ai pas tricoté. Et voilà, ouais, j'ai eu plus de temps pour avancer dans mes gros projets finalement. Donc du coup la paire de chaussettes est un peu mise de côté, je vous la présenterai peut-être une prochaine fois. Et j'ai pas mal avancé sur mon encours principal, qui est du coup le gilet Charles que je tricote en mohair de chez Lang. Alors je sais plus la référence exacte du mohair, je vous la remettrai parce qu'ils en ont plusieurs. Et avec ça je la double avec de la soque. Non, je sais plus comment elle s'appelle, Mary Sock peut-être, de chez Laine de Mout, coloris Miss Espelette. Il est un poil saturé, mais globalement, je pense que vous avez à peu près la bonne couleur. Et donc, c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Et en fait, on commence par la bande d'encolure dans le dos. Donc, on monte les mailles ici. Je sais pas si vous voyez bien, voilà le remontage. Puis on tricote un demi dos là. On met les mailles en attente. Enfin, vraiment que la bande de colure, hein, que cette partie-là. Ensuite, on met les mailles en attente. On relève les mailles ici. Puis on continue, on fait la même chose de l'autre côté. Donc c'était 17 cm. Une fois qu'on est arrivé à 17 cm de part et d'autre, on va relever les mailles le long, là, tout le long de la bande d'encolure. Je pense que vous verrez mieux sur l'envers. Voilà, en fait, là, c'est le rang de montage. Et là, c'est toutes les mailles qu'on a relevées. Et à partir de là, en fait, on tricote en aller-retour tout le long du gilet. Donc, c'est un gilet qui est plutôt assez simple. Vous voyez, c'est des mailles en vert en droit. Et il y a des fois des torsades. Alors, je sais plus comment on appelle ces genres de torsades, c'est 3 mailles croisées d'un côté. Enfin, il y a 6 mailles en tout, on croise sur 3 mailles.
C'est plutôt facile en soi, mais je trouve que... Enfin, moi, je me suis un peu perdue dans le patron parce qu'en fait, j'avais tricoté, admettons, jusque-là, bah, jusqu'à la première torsade ici, de cette partie-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines torsades parce qu'en fait, vous avez des mailles raglan, donc devant ici et dans le dos. Donc, on a 4 fois 8 mailles qui sont des mailles raglan. Alors, si je vous les montre, c'est celle-ci, vous voyez? Entre ces deux marqueurs-là, c'est mes mailles raglan. Et en fait, dans le patron, c'est indiqué qu'il faut croiser, enfin faire les torsades à la même fréquence que celles qui sont faites dans le dos et sur le devant. Et on n'a pas du coup de diagramme à suivre pour ces mailles raglan. Et en fait, je les avais oubliées. Donc c'est moi, je pense que en fait, j'ai mal lu le patron. Je suis allée beaucoup trop vite et j'ai du coup fait les torsades sur les devants. Et sur le dos, sans faire sur le raglan, donc j'ai dû détricoter et refaire, mais ça va, ça va, ça va. Et sinon, bah, c'est un pull qui se monte assez vite parce qu'il se tricote en 4,5, donc c'est un poil déjaugé, mais franchement, ça me dérange pas trop. Je trouve que enfin, le rendu me plaît bien, et au blocage, en fait, le mérino gonfle un peu, donc ça va bien, ça va être super joli, donc voilà. J'ai trop hâte de le commencer, non pas de le commencer, de le finir et de le porter. Je trouve que c'est vraiment la saison où on a envie de porter des choses avec du mohair. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de terminer rapidement parce que je me dis que si je le termine ben, fin mars ou quelque chose comme ça sera déjà peut-être un peu trop tard parce que l'hiver sera déjà trop entamé. Et on a vraiment maintenant envie de porter des trucs fingering mohair, donc voilà, et le combo langue avec la laine de mout, c'est vraiment super doux, j'adore. Ben, généralement, les laines soc, dès qu'il y a un peu de nylon, là, de polyamide, ça adoucit vachement la laine. Et du coup, c'est super agréable à tricoter. Et je pense qu'au porter, ça va être aussi super agréable. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. J'ai pas grand-chose à vous dire, hein, finalement, en cours. Vous voyez que je suis assez mono en cours. Mais du coup, ça me permet de finir assez rapidement des projets. Et c'est vrai que là, je me suis vraiment remise à fond dans le tricot. Depuis le Chiki Bazar, en fait, ça m'a remis dedans à fond. Et donc, du coup, j'ai terminé pas mal de projets assez rapidement. Donc, je suis contente. Et puis voilà, donc bah, c'en est tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie encore parce que je ne sais plus si je l'ai fait comme j'avais filmé il y a quelques jours déjà. La première partie des projets terminés, je ne sais plus ce que je vous avais dit exactement. Mais je vous remercie énormément pour vos commentaires déjà et qui m'ont vraiment touchée. Vos likes et puis vos vues, ça a été assez inattendu. Enfin, je m'attendais à rien hein, finalement, mais pas autant de gens qui visionnent mon épisode, surtout le premier, hein, parce que bah, on n'est pas connus et tout. Donc j'étais assez étonnée, puis je suis ravie enfin, de tous les retours que vous m'avez fait. Voilà, donc ça me motive à fond à revenir. Et puis je voulais vraiment remercier ceux qui m'ont mentionné dans leur podcast, donc Sandrine et Tricot Libri. Ça m'a vraiment beaucoup touchée, donc je vous fais des bisous à toutes les deux. Et puis, enfin, j'espère que je n'oublie personne d'ailleurs. Non, je crois que... Enfin bref, voilà. Enfin, je remercie tout le monde, quoi. bah, on se retrouve dans un prochain épisode. Je pense que 2 semaines, 2, 3 semaines, c'est vraiment une bonne fréquence pour moi. Enfin, en tout cas, avec ce que j'ai à vous présenter en ce moment, c'est plutôt bien. Après, si j'ai moins de projets, je modulerai la fréquence. Mais je pense qu'on se retrouve d'ici 2, 3 semaines. En attendant, bah, tricotez bien, portez-vous bien et ciao!